c'est bon. Salut les stations fréquences, c'est les versions 1351 d'un part de Dundee 33 pour le QSO national du canal 27. Alors on est le samedi beaucoup, samedi 8 octobre 2016. Et c'est parti. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Bon ben ça c'est ce qu'on appelle un flop complet quoi. Ok, les 73 Michel, oui nous avons 3 OM ce soir, voilà, c'est-à-dire qui se présenteront eux-mêmes tout à l'heure, dès qu'ils seront en place, voilà, ils viennent de sortir de QR1, ils sont en route pour pour se mettre sur la fameuse colline de Saint-Maine de Castillon, et dès qu'ils seront prêts là tous les trois, eh bien ils arriveront dans le QSO. T'es complètement décalé, Pascal. Alors là, est-ce que c'est un peu mieux là? Voilà. Oh, tu m'étonnes. Vas-y, Michel, pour Pascal. Oui, c'est sûr. Et à chaque fois, en ta présence, Michel, les QSO sont toujours meilleurs. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Alors, on va essayer de suivre les conseils de Thierry, là, d'hier soir. Non, mais qui étaient de très bons conseils. On va d'abord commencer par par faire entrer tout le monde. Voilà, faire un maximum de contacts. Ainsi de suite, et puis après, bon, par la suite, eh bien, pour ceux qui voudront, ben, parler technique. Alors, on va essayer de faire ça, c'est une très bonne idée, on va lancer ça. Alors, les stations qui voudraient rentrer en fréquence, allez-y en avant. Waouh! La chasse est ouverte, on dirait. Les canards sont sortis. Ok, sortez les fusils. Les 73... Claudie. Voilà, donc je me suis légèrement calé, mais les 73 à tous. Ah oui, là, ça va mieux, là. Affirmatif, 14-0.
Pas du tout, pas du tout. Là, c'est peut-être à peine sensible de mon côté, quoique faut vraiment chercher dans les QRM. J'ai pas trouvé la balayette pour pouvoir le sortir comme il faut. Et non, j'ai aucune idée là. J'entends pas du tout. Ce serait pas mal que tu me dises là, le Claudie, qui est justement là dans le QSO. Enregistrer le break. Je ne sors plus l'attention. Le département 47, le 2113 du groupe du canal 27 du sud-ouest. On va faire rentrer le break si vous êtes d'accord. On a moins le break. Oui, 73-51. Victor Echo 27, l'opérateur Eric, bonsoir à tous. Bonsoir Eric, les 73.
attaquer les 73 Jean-Marie Belphégor, voilà, de la part de Rémi. Voilà, Claudie, tu as eu là tout à l'heure 14 Oscar Alpha 275. Quel est le prénom d'opérateur là? Parce que moi de mon côté je ne le sentais pas du tout, c'était le néant complet. Attends, Fabienne me dit Thibaut, c'est pas ça? Thibaut, il s'appelle Thibaut. Oui, donc c'est Thibaut, donc c'est Tango, India, Bravo, Oscar. Ok, d'accord. Vas-y, Claudie, puisque là où tu es placé, là, c'est tout bon. Je crois qu'il y a eu un autre break aussi. Vas-y, fais-le rentrer. C'est le département 40. Merci pour le retour du micro. Justement, j'attendais un blanc là pour le reprendre. S'il y a des breaks derrière, eh bien enregistrez les breaks. Car hélas, moi dans mon trou, dans mon terrier, là, je sais pas, je les entends pas. Alors ce soir, on a un OM supplémentaire. Alors cet OM, il est pas très bavard, mais bon, la radio avant tout est fait pour ça. Donc retour de micro sur l'invité du jour. Hop, t'es un poil haut niveau fréquence, vas-y, essaie de te caler un peu là sur moi là pour voir un peu ce que ça donne.
Ok, voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Vas-y, reprends le micro. Ok, je vous entends sur toutes les stations, 12 et 10, 12 et 12, QTH, je vous en fais pour vous, je vous en fais de la campagne pour vous. Avec le tout le monde, mais quand on va, je suis en train de chercher le réveil. Voilà, ça va de nuit, je vous en prie. Restons chez lundi. T'es un petit peu décalé, je sais pas. Retour de micro sur Michel. Oui, c'est vrai. Il y avait un break. Est-ce qu'on m'a dit un peu réveillé? Oui, le vrai Canada, la personne qui se signale, retour à vous. Ok, on a un break. Vous voyez, c'est tout le monde. Ok, alors il y a des breaks qui ont été entendus. Alors en avant les breaks, au contraire, là, profitez-en. On a un petit peu changé la politique là, du QSO. C'est justement là, cette première demi-heure, enfin tout le QSO de toute façon, les breaks peuvent rentrer, c'est pas un problème. Mais on privilégie là maintenant cette première demi-heure justement là pour faire rentrer un maximum de breaks. Alors allez-y les stations, là, rentrez en avant les breaks. Michel, est-ce que tu entends du monde? Oh oui, il y en a un, mais tu te trouves trop près. J'attends Jean-Michel, c'est toi qui es derrière. Et si tu m'attends, c'est trop petit. Pas le 13, Louis. Bah, il vous fait se tourner, je pense. Et je vais l'avoir par ailleurs. Ok, Eric, t'as entendu Delu, vas-y, fais-le rentrer. Ok, je salue Michel aussi, j'espère qu'il va bien, tout le monde aussi. Oui, salut Lino, 73, Eric, à toi le micro. Erreur. Ah, je me trompe alors. Ok, les bandes 73, Fredo, content de t'avoir parmi nous aussi avec nous ce soir. Retour des micros sur les trois invités du jour, à commencer par Pascal qui fera suivre ensuite. Ok, ben c'est Pascal, 14DR001. Et ben les bandes 73, hein, Fredo, ça fait plaisir aussi de t'entendre en fréquence là. Et apparemment, là, peut-être que la propague est là, mais en tout cas, ça va revenir aujourd'hui, voilà. Je repasse à passer à l'invité du jour. Hein. Il a éternué. Non, Dundee, voilà. Et mon ami, il est fort ce soir. Dundee, est-ce que je sais bien au niveau radio là? C'est Didier 012 au mic. Bonsoir, la station, j'essaie de renouveler. Je ne sais pas si je suis plus haut au niveau de la modèle, mais enfin, apparemment, on dirait que j'ai des problèmes de cage. Là, je dirais que ce serait pas trop mal. Dans le pire, on peut se contenter de ça, quoi. Ouais, je pense, ouais. Vas-y, retour de micro à toi, là, pour justement les stations. Tu as Belfegor qui est derrière. Tu as Fredo qui vient d'arriver.
Bah, tu es aussi Eric, 14-8 Enrico 27, que tu connais aussi. Et puis Thibaut. Bon, Claudie qui est à côté de toi. Vas-y. Je connais pas mon tous les clés en fait, parce qu'il y a du monde là. Ouais, et puis il y a la tour de contrôle, il y a le doyen du QSO. Retour de micro sur, ben, sur toi, justement, Didier 012, pour le doyen du QSO. Ok, la tour de contrôle, est-ce que tu es là, 73 à part? Oui, oui, je suis là, bien content de vous entendre, Didier. Mais vous êtes carrément du 52, là où vous avez un accent, un accent si. Je rigole, parce que moi, avec mon accent, je suis pas loin de l'autre point de l'accent. Allez, retour à vous, Didier, et vous faites tourner. Ok, bon, mais le problème, c'est que j'ai baissé le RFG parce que j'ai mon ami à côté là, qui m'a rappelé la gueule. Pardon, les gars, pardon, monsieur. Excusez-moi, hein. Voilà. Et là, il m'a foutu la gueule et il était ici. Je peux voir si ça continue. Bon, je vais tomber sur qui, mais sur qui, mais allez, le voisin, vas-y, où là. Ok, Didier, ben voilà, c'est vrai que bon, là, faut pas trop sortir les watts parce que je vais m'en prendre plein les oreilles, hein, évidemment. Un peu. Ah, faut pas sortir la voix. D'accord, ok, bon ben on va faire petit alors. Ah, les bottes 73 à la tour de contrôle, les bottes 73 à Eric, les bottes 73 à Belfigore, les bottes 73 également à toutes les stations qui sont là. J'ai trop fréquenté Rémi, j'ai attrapé une mémoire de poisson rouge, je peux pas tout enregistrer, moi. Ah si. J'ai enlevé les watts. Ah, il passe bien, il passe quand même. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Alors là, je n'entends plus rien, Rémi. Ah, bah ok, je vais remettre les watts. Bon, redis-moi qu'il a le QSO, Dundee, s'il te plaît, que je puisse envoyer 73 à tout le monde, parce que j'ai pas eu le temps de monter tout ça. Il y a du peuple, apparemment. Ça me change de l'environnement de mon pays tout pareil, là. Break. Ah, enregistre le break. Allez, ok, allez, on va voir le break. Bah, le break, si tu veux venir rentrer, s'il te plaît, merci à toi. Vas-y, en avant, Belfegor. Merci, Pascal, je suis à l'écoute. Ah, toujours à l'écoute. Tu arrives plus tard ici, il y a 7 à Radio 5, il y a 7 à Radio 5. Voilà. Ok, bah, je te remercie pour le petit report, voilà. Alors, moi, ce que je veux demander, c'est est-ce que Eric me recevait aussi bien? Eric, est-ce que tu reçois bien Pascal? Oui, Pascal, je l'entends, hein, oui, il n'y a pas de souci, j'entends bien Claudie aussi. Il n'y a que l'autre station, là, qui vient, l'invité surprise, là, qui va venir ce soir, là, qui nous entend parler, mais je ne comprends pas, je ne sais pas de quel côté il est. Ok, j'espère que je ne suis module personne. Non, ok, c'est bon. Alors c'est Didier 012, 14 ODR 012 de l'Aveyron, qui nous a rejoint là ce soir là, pour le QSO national du canal 27. Et donc tu as Pascal, Claudie, Didier, qui sont tous les trois sur la colline de Saint-Maine-du-Castillon. Donc là, ils sont tous les trois en vue là, les uns des autres. Ok. Voilà.
Ouais, mais tout à l'entrée, en surplomb quand même là, de la région, non? Ok, il y a un petit peu de surmodule là. Ouais, je demandais, Didier et Pascal, ils sont en surplomb de la région là, de façon à bien recevoir, à bien envoyer. Un peu plus loin là, parce que quand je me suis garé, j'ai pris les parts, donc ils sont pas très loin. On est à, on va dire, 100 mètres les uns des autres. Hein. Ok, ouais, d'accord. Thierry Libourne, le Coyote, tu es dans le coin? Moi, bon, apparemment non. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent rentrer dans le QSO? Ok. Didier 012. Bon, t'as pas tellement l'occasion de moduler. Là, c'est l'occasion. Là, t'as du monde. Si t'as des questions à poser, même si c'est de la déconnade, allez, vas-y, retourne le micro. Ok, Belfegor, là tu as Didier 012, 14 ODR 012, là qui était en train de parler justement à l'instant. Voilà, c'est peut-être lui que tu as entendu un peu plus QRP, je suppose. Ok, vas-y, Belfegor, retour du micro. Ok, alors ça doit être Claudie qui est en même temps là sur la colline là, de Saint-Maine-de-Castillon qui a dû entendre. Impeccable. Oui, petit Igor, les bottes 73 de 14 ODR 016, l'opérateur Claudie. Il n'y a pas de capitaine de QSO, hein? Hachi, le QSO est à tout le monde. Donc alors, s'il y a d'autres stations, Thierry, tu es toujours pas là des nôtres?
Bon, je suppose que... Je suppose rien du tout. Michel, tu es parti, tu es toujours là? Ok, merci. Ben, les bottes 113 retournées du côté de Toulouse, voilà, de l'ensemble du groupe là, de QSO nationale du Sud-Ouest. Et tiens, hier que tu es arrivé, Claudie, eh bien, vu les messages là, que j'ai pu voir sur Facebook, on a, tu sais, Michel, quand j'ai fait la petite vidéo là en direct là sur Facebook, tu étais aussi là avec nous dans le QSO, là, sur les supérieurs, eh bien, on avait un OM de Luxembourg qui suivait notre QSO en même temps, là, mais directement, là, ils nous entendaient sur les ondes. Ouais, comme quoi la propagande peut jouer des tours. Hein, parce qu'hier, en plus, quand je suis arrivé, j'étais QRP, donc j'avais que la puissance du poste. Hein. Ouais, ben comme quoi, hein, nous, c'est vrai qu'on n'entendait pas trop cette direction-là. Comme quoi, la propague, faut se méfier. On croit que c'est forcément toujours dans les deux sens. Non, non, ça peut être d'un sens, hein, uniquement. Puisque c'est vrai qu'ils nous ont très bien entendu, là, notre QSO, là, qu'on a fait là, hier. Et voilà, comme quoi, hein. Bon allez, vu l'heure, la première demi-heure est passée, on va commencer à parler bidouille. Pascal, donc là, cet après-midi, qu'est-ce que vous avez fait là, exactement là? Là, on veut des détails. Parce que là, d'après ce que j'ai compris, il y a eu 3 antennes de branchés, je sais pas, vas-y, développe Pascal. Ok, donc voilà, donc les essais c'était pour voir si 3 antennes branchées simultanément ça pouvait être valable. Au début on a eu des petits soucis parce qu'en fait à rajouter 2 autres antennes ça ramenait énormément de tos et en fait on a trouvé avec en les inclinant un peu c'était ça devenait meilleur et à voir la réception bah, apparemment ça doit être valable, voilà. Donc sinon c'est 2 petites targas qu'on a rajoutées, 2 targas qui font à peu près 80 cm. C'est un style ancien, pour ceux qui ont connu, les antennes noires avec le filament qui tourne autour en montant là. Et donc bon bah là c'est assez correct en réception et en émission apparemment. De mon côté, bah, voilà un petit clin d'œil à Claudie là, qui franchement a fait du bon travail. Et là, à l'heure actuelle, voilà, j'ai 2 petits points de tos, voilà. Donc ça a quand même été valable. Je voudrais aussi, pendant que j'y pense, voilà, si Belphégor m'entend toujours bien, est-ce qu'il connaît le petit coin qui s'appelle Nicole? Parce que je sais qu'il y a, je connais un peu le coin là-bas, il y a une petite colline avec une croix dessus, et je pense que ça serait assez valable d'aller voir là-haut, si ça pourrait bien passer pour faire un petit QSO local là-bas. Voilà, retour Belphégor. Ah bah il n'est plus là apparemment. Ah, attention Belphégor pour Pascal. Voilà, donc bon, ce que je voulais dire, c'est que bon, la celle du milieu, c'était une équivalence à la Santiago 1200. Voilà, je vais repasser le micro à Claudie qui peut confirmer. Affirmatif, donc en modification, ce qu'on a fait, c'est tout simplement la Santiago 1200, parce que je vais l'appeler Santiago 1200, malgré que ce soit une autre marque, mais c'est tout à fait le même principe, même la même celle, le même.
était dans les deux petites, qui renvoyait le surplus apparemment dans la Santiago. Donc on avait un retour à jet, ce qui nous donnait du TOS. On est quand même monté à un TOS infini, comme s'il n'y avait pas d'antenne en fait. Donc là on a penché sur le sujet, on a commencé à bricoler à gauche à droite, en touchant les antennes arrière, donc qui ne sont pas connectées, je dis bien pas connectées. Le TOS descendait, donc on est parti sur des triches de masse pour renforcer un petit peu le plan de masse des antennes. Le TOS a baissé un petit peu, donc on a commencé à bricoler un petit peu, on a chipoté, on a déplacé le tripode, et plus on rapprochait des antennes, plus le TOS baissait. Je dis bon, ben ça va, on va trouver le juste milieu. Le problème, c'est que le TOS ne voulait pas descendre en dessous de ces 3 ou 4, hein, on a chipoté, on a regardé. On a refait passer les câbles comme il faut, qui étaient enroulés, je sais pas comment, derrière les sièges. Ça faisait un peu self aussi, donc ça arrangeait pas le problème. Donc on a repassé les câbles avec Pascal, tout bien comme il faut, on a fait les remises à la masse. Et puis, en chipotant, en réfléchissant un petit peu avec notre petite tête, ben oui, on arrive à faire ça de temps en temps. On a incliné les antennes arrière, mais complètement à l'horizontale, et là, plus de TOS. Ah bon, ok, et on les a redressés tout doucement jusqu'à avoir, je veux dire, 1.1, 1.2 de TOS, et voilà le résultat. Donc, ce que vous entendez là, c'est la Santiago 1200 avec les deux petites targas à l'arrière de 80 cm qui ont un effet directif, apparemment, mais qui améliore grandement le rendement de la station. Ok Michel, tu as entendu aussi de ton côté? J'ai tout entendu, un petit Japon. Ok, je suis un petit peu étonné là, du calme ce soir. Rémi, par contre, juste petite suggestion. Est-ce que tu peux parler de... je veux dire, à 3 mètres du micro, s'il te plaît, parce que vu que t'as une grande gueule, assis, on a l'impression que t'es en train de manger le micro. Ah la vache, oui, c'est vrai qu'à chaque fois je parle trop fort. Hein. Ok, oui, faut vraiment que je baisse le volume. Voilà, est-ce que c'est, comme ça, ça va mieux, là? Ah là, c'est 100% tuyau. Ok, non mais c'est vrai que systématiquement je monte le volume, il n'y a pourtant pas besoin, il y a ce qu'il faut au niveau de la station, mais bon c'est hallucinant. Ok, retour du micro sur Eric, justement par rapport à la bidouille là, qu'ils ont fait, là, le Pascal et Claudie. Et moi je peux rien là. Ah ben t'es retour à toi Didier 12 au contraire. Vous m'oubliez ou quoi? Mon matin, hein? Vilain garçon, moi! T'as raison, rouge-pète, il faut pas te laisser faire, surtout avec lui, assis! Oh, alors toi! Comme dirait l'autre, tu ne t'as rien pour attendre, moi! Qu'est-ce que tu vas prendre demain? Ok, bon alors, est-ce que... Retour du micro sur Eric. On n'a pas Ludovic ce soir, j'ai pas entendu, moi, de mon côté, en tout cas. Du canal 27, du sud-ouest, j'ai pas de 73 à toi. Est-ce que tu peux me revenir avec ton indicatif et ton prénom d'opérateur, s'il te plaît?
73 également. Bon, je vais faire le QSP. Vous avez tous les bottes 73 de la station là qui vient me contacter. Apparemment, il a une trop petite radio de son côté, donc il n'a pas compris que je lui demandais son prénom d'opérateur, au moins, ou son indicatif. Et voilà, donc il vous souhaite les bottes 73. Ok, ça, à tout hasard, ça serait pas des fois Thibaut, 14 Oscar Alpha 275 du département 40, car il est en même temps actif là sur le groupe. Ah, je peux pas te dire du tout parce que j'ai pas de prénom d'opérateur, j'ai encore moins d'indicatif. Attention, attention, est-ce que votre prénom, ça serait Thibaut? Ok, alors, donc j'ai, qu'est-ce que j'ai là? Je suis revenu en fréquence. Alors, Dandy, je voulais vous contacter, j'entendais que Claudie. Claudie, t'as du succès ce soir. Tu as Thibaut, justement, là, qui est effectivement là derrière, et il marque bien, je suis revenu. Ah oui, tu vois, là, j'ai la voix des anges qui vient de me tomber dessus. Aïe, ça fait mal. Et je baisse le volume, j'éloigne le micro et tout ira bien.